Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp. Je remercie toutes les nouvelles abonnées, j'espère que mes petites vidéos répondent à vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou me poser la question sous mes vidéos. Je répondrai avec plaisir. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser le Crystal Effect étincelant. Voilà, c'est un liquide épais pailleté. Et du coup, ça vous donne cet effet glossy. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, un effet brillant et un petit peu en 3D. Hop, voilà. Je vais vous montrer comment réaliser cette carte dans un autre coloris. Donc, le Crystal Effect qu'on va utiliser... L'encreur épinette enivrante, le set de tampons mille merci fleuri avec sa perfo, voilà. Les crayons aquarellables, l'encreur memento et les pastilles argent transparente, il y a des petites gouttelettes, des petits ronds et des petits diamants. Voilà, donc ça on va utiliser aussi. Donc pour commencer, notre base de carte. Hop. 14,85 sur 21 cm plié à 10,5. Ici, nous avons une carte de 10 cm de large sur 14,3 de hauteur. Voilà. Donc, on va tamponner le motif de fleur, donc celui-ci. Là, moi, je vais le tamponner en noir. Hop. Toujours pareil pour tamponner. Quand c'est un grand tampon, peut-être plus sur le dessus, comme ceci, on voit mieux. Et on ne bascule pas pour éviter d'avoir de l'encre tout autour. Toujours bien, bien droit. Voilà. Donc là, hop, je vais venir tamponner ma fleur ici. Voilà. Hop. Je viens ensuite nettoyer mon tampon sur mon chamois synthétique. Hop. Voilà. Ensuite, je vais tamponner mes petites fleurs sur papier blanc en noir que j'ai coupé à la perfo. Voilà. Donc pour ces petites fleurs là, pour donner cet aspect, je vais venir les colorier. Donc je vais prendre du rouge et du jaune. Donc là, je viens colorer ma fleur. Pour éviter de dépasser un petit peu sur le centre, vous bloquez avec votre doigt. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas aller plus loin que ce que vous avez décidé. Voilà. Donc, la même chose ici. Toujours la butée du doigt. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser. Hop. Là,
pareil. Et mon dernier petit pétale. Hop. Comme ceci. Voilà. Le petit rond. Je viens faire que le pourtour. Je laisse le centre. Je viens rajouter du jaune sur les parties centrales. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc là, j'avais déjà fait la première. Donc je vais venir colorier aussi celle-ci. Donc hop. Allez. Hop, voilà. Toujours mon petit doigt pour la butée. Bon, je suppose que certaines d'entre vous sont déjà parties en vacances, d'autres sont encore au travail. Pour tout vous dire, moi je suis encore au travail, comme vous pouvez le voir. Mais je prends beaucoup de plaisir à faire mes petites créations. Donc, on prend ça comme un travail, mais plutôt des contractions. Voilà. Donc là, je vais rajouter du jaune sur les petites nervures. Hop. La même chose ici. Là, pareil. Et je vais venir faire mes feuillages de deux couleurs. Donc, hop, celui-ci, le plus clair. Là. En fait, mélanger les couleurs, ça vous donne un effet de volume. Donc pensez-y, c'est toujours intéressant. Voilà. Et donc, ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis des petites herbes. Les petites herbes, je les ai trouvées dans le set de tampons nos amis les tortues. Ici. Donc, hop. Là, je vais prendre mon encreur épinette enivrante. Et je vais venir mettre un petit peu d'herbe sur ma carte. Vous pouvez tamponner une fois, deux fois, comme ça, ça vous fait des teintes d'herbe différentes. Et toujours un effet de volume. Voilà, donc ça c'est pour l'herbe et je vais venir mettre mon petit texte qui est 1000 raisons de dire merci et je vais le tamponner en
noir. Voilà. Je reprends mon encreur noir. Toujours un petit brouillon à portée de main. Et là, quand vous n'êtes pas sûr de tamponner droit, mettez-le directement de travers. Comme ça, il n'y aura pas de faute de goût et vous êtes sûr de réussir. Hop. Et comme ceci. Voilà, donc là, droit ou pas droit, on s'en fiche un peu puisqu'il est de biais. Ensuite, là, je vais venir coller ma carte sur ma base, comme ceci. Vous entendez les petits pigeons qu'il y a dans les arbres. Hop. Comme ceci. Donc là, je vais coller ma grande fleur ici. Hop. Voilà, donc la petite, je vais venir mettre une petite pastille 3D au centre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment poser votre glossy. Donc le Crystal Effect. Hop. Donc là, je vais en mettre un petit peu sur ces fleurs-là et sur la fleur au centre. Donc on vient en fait appuyer sur le tube. On dépose comme ceci. Et vous devrez laisser sécher. Donc le mieux, hein, c'est de le faire le soir. Et vous viendrez y toucher que le lendemain matin. Vous êtes sûr que ce sera sec. Parce que quand on fait quelque chose comme ceci. Et qu'il faut attendre. Je ne sais pas si c'est pour vous pareil. Mais souvent, la patience n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc, on est pressé de regarder. Et des fois, on touche la création et c'est là qu'on fait des bêtises parce que ce n'est pas suffisamment sec. Donc pour ne pas être tenté, le faire le soir, c'est très bien parce que du coup, on n'y revient que le lendemain matin. Donc vous voyez, on fait des petits allers-retours comme ceci. Hop. Et plus on met épais, évidemment, plus ce sera un effet de 3D. Par contre, ça mettra plus de temps à sécher. Hop. Donc évidemment, ne venez pas frotter avec vos doigts la création, sinon vous risquez d'en mettre partout. Je vous le dis parce que c'est des choses qui arrivent. Hop. Ou quand il y a une petite poussière ou quelque chose qui tombe,
Et là, on est tenté de hop, faire un aller-retour sur la création. Et c'est raté. Hop. Et donc là, ma petite dernière. Hop. Et voilà. Donc là, on vient fermer le tube et ensuite on laisse sécher. Donc là, vous voyez, hop, les petites paillettes qui sont incluses dans la matière. Peut-être le vous les voyez peut-être pas très très bien, je sais pas. Hop, là sur la fleur et ici sur le bouquet, sur la branche. Voilà. Et donc la première c'était celle-ci. Voilà, donc vous avez deux bases de cartes différentes, de couleurs différentes. Et vous pouvez réaliser toute une série comme ça. Et c'est très joli parce que du coup ça met du 3D et de la brillance. Donc là évidemment on n'y touche plus. Et on attend que ça sèche. Donc si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Et là je vous remontre. Hop. Donc la petite tortue que l'on va retrouver à la page 56. Donc là c'est pour vous montrer l'herbe que j'ai utilisée. Ensuite le set de tampons Mille Merci Fleury avec la perforatrice, page 78. Donc j'ai utilisé ce tampon là pour ma branche, les petites fleurs là pour mettre en 3D et le Mille raisons de dire merci en texte. Voilà, ici j'ai utilisé page 126 les crayons aquarellables. Et pour finir, je vais vous montrer, j'ai oublié de les positionner, ce sont les petites hop, essentielles en époxy argent et transparent. Donc c'est à la page 142 et donc je vais vous montrer ce que ça donne sur la carte. Je vais prendre la carte qui est bien sèche, comme ça je ne ferai pas de bêtises. Voilà. Donc, je reprends celle-ci. Celle-ci, je la laisse sécher. Et je viens... Hop. Alors... Donc, nous avons couleur argent et couleur transparente. Vous voyez, transparent et argent. Là, je vais mettre les petites gouttelettes. Hop. En argent. Hop. Alors, je ne sais pas, je vais la mettre au centre comme ça. Alors, une autre ici. Hop. Et la petite dernière que je vais mettre ici et sur le centre de la fleur, hop, je vais mettre un petit rond. Voilà, comme ceci. Et donc vous avez une carte qui est encore plus lumineuse grâce à ces petites gouttes ou ces petits ronds en époxy couleur argentée. Vous voyez ?
Hop. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je remercie à nouveau mes nouvelles abonnées. Et j'espère que toutes mes petites créations vous permettent de réaliser de jolies choses chez vous, entre amis ou tout seul. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne création. À bientôt. Au revoir.